Je vais lancer le record maintenant. On va perdre de temps, déjà 14h15. J'ai fait du sport, j'ai mangé, j'ai fait une petite sieste et je viens de me lever. Okay. Alors, hier, tu vois, en attendant que B-Boy il arrive sur le channel Discord, tout ça, je me suis dit, je vais refaire un tour dans la caverne d'araignée parce que bon, ça me fait chier de tourner, tu sais, je vais un peu vite et tout parce que bon, on est en live, on n'est pas là pour refaire mille fois ce qu'on a fait. Je me suis dit, tiens, il y a un petit escalier ici, j'ai jamais vu. Et j'ai découvert ce nouveau point là. Voilà. Et en fait, vous vous rappelez de ce village de merde où il y a un pont? Après, on arrive là et puis on descend. Et en fait, en gros, quand on va par là, là. Nous, on a continué par là, on a fait le tour. Et en fait, il y a un petit escalier qui monte et qui ramène là, en fait. Bref, je vous passe les détails. Et j'avance, je dis, attends, ça me parle pas, cet endroit et tout. Donc, j'ai cavalé. En plus, on est déjà arrivé ici, là. En fait, on est arrivé là. C'est juste que... ce mur-là, là, il me parlait. C'est juste qu'il me semble qu'on a pris là. On est monté là. Et en fait, il me semble qu'on est descendu après en contrebas et on s'est baisé la gueule. Et en fait, à un moment, je vois des paillettes et je fais, mais attends, comment ça, des paillettes? Et donc, je vais par là. Et je vois ça. Et je me suis dit, bah, que j'allais continuer d'explorer par là. En live, quoi. Et en plus, il y avait un truc de méditation, donc j'ai médité. Déjà, je crois. J'ai médité. Bah attends, mais maintenant il y a l'overlay Steam qui s'affiche sous ma gueule. Bon, bref. Regarde, je regarde un peu les redifs sur YouTube sur l'épisode 5 dans le désert. T'as pas oublié des trucs? Normalement, j'ai rien oublié. J'ai débloqué le niveau secret. C'était dans la caverne ici. Je pensais que j'avais oublié des trucs. Après, on a fait une grosse vite hier et j'ai vu que non. Et en fait, avant le live de B-Boy, je me suis dit, dans le doute, je vais refaire encore un tour. Je me suis dit, tiens, par là, je crois qu'on n'est pas passé par là. En fait, j'ai regardé ma VOD, j'ai regardé là où j'étais passé et je suis passé à l'inverse de là où je suis passé. Et je dis, ah ok, mais on était déjà venu là, c'est juste qu'on était reparti par là-bas, là. Là où c'était éclairé, parce qu'on avait suivi les lumières. Au lieu de venir ici, en fait. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, on va continuer par là, parce que là, ça me dit vraiment zéro, quoi. Oh lolo. Allez, ça commence. On est jamais passé par là. Les gars et les gars, je viens de me... Oh la vache, c'est dégueulasse. Je viens de voir les mille pattes. Ça me répugne. Oh la vache. Attends, on a un boss, un cocon. Wow, motherfucker! En fait, en gros, à chaque fois, Rafa, je retourne dans le niveau d'avant quand j'ai fini le truc pour bien tout faire à 100%. Pour être sûr de ne rien avoir oublié. Après, ça se trouve, j'ai oublié des trucs, hein, mais.
Oh là, c'est qui lui, il a 8 pattes. C'est qui toi, frère? Bah oui, c'est au venin. Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas que je remets votre parole de votre femme en doute, mais foutez-moi la peine, hein. Bah ouais, en plus on a la transformation de lui là. Il est parti où? Ah, il est dégueulasse, hein. Ah, ça, c'est dégueulasse. Attends, je vais peut-être augmenter un peu la luminosité. J'ai l'impression que le jeu est un peu sombre. Ça fait plusieurs fois que je me fais cette réflexion. Affichage. On peut pas en fait. Il a. À peine visible. Oh bah à peine visible, j'aimerais bien voir un peu quand même quoi. Ah c'est peut-être un peu trop là. C'est peut-être un peu trop là. Bah j'ai monté de 5. Ah c'est pas mal là, parce que c'est vraiment ultra sombre par moment et... Bien que ce soit sombre, mais faut pas non plus troll quoi. Ok, bon en gros cette route menait là. Regardez, c'est dégueulasse. Et il s'est barré. J'ai pris la pub en pleine gueule, j'ai pas eu ton explication. Ah! Je disais, et en fait, en gros, j'essaie de tout faire en first try, mais il arrive que j'ai raté des trucs où je me dise merde. Qu'est-ce que c'est? Ou alors que je réalise plus tard ce qui s'est passé, ou bien qu'avec le chat, des fois, on brainstorm. Y'a quelqu'un qui dit putain, je viens de penser, ça se trouve, t'as essayé de faire ça, 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 là, à ce moment-là, et je reviens, je suis en mode oh putain, mais oui, bien joué! Genre là, il s'est barré. Pensez qu'il s'est barré où? En mode là, il a dit, faut qu'il atteigne son. Oh la 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 la! On avait sauté là. Et je crois que je m'étais battu contre lui et j'avais oublié de prendre le. Toujours bon de brainstormer avec vous. Parce qu'on avait été, on avait été là, mais on n'avait pas été au bout. On est vraiment, j'ai vraiment raté des trucs. Hein. Vous pensez qu'il s'est barré sur la map là? Ah ouais? Salut gamer, salut Ashura, comment ça va? Je hais les mille pattes. Fuck les mille pattes. Qui aime les mille pattes? Enfin, pas les mille pattes, genre comme vous avez ici en France. Hein. Je parle vraiment du scolopendre, le truc qu'on a en Martinique.
Bon, Lupus, je suppose que ça veut dire oui alors. C'est là-bas? Merde, c'est dans la caverne de toile. Mais non! Là où on s'est fait chier pendant 1000 ans en se disant « Mais il va y avoir un truc, vous allez voir !» Ok. Ok, ok. Let's go. Ah bah, l'escolopente, ça pique, hein. Ça pique et pique et collégramme. Bon, on va faire ça. Pourtant, on va pouvoir commencer le chapitre 5, les gars. Attends, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a... Parce que là, on fait un truc, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de zone secrète. Bah, tu me diras, il n'y a pas eu de zone secrète avant, parce que... Enfin, si. Ça nous a débloqué une zone secrète, mais pas la zone secrète comme on aurait voulu que ce soit une zone secrète. Bon, si je fais ça, ils vont plus jusqu'au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Je vais vers la montagne. Fuck le scolopanda, ah ouais frère. Yo, Melcat Fairy, comment ça va? Comment ça va mes mères? Si, il y a une zone secrète. Ah, bah je vais peut-être la débloquer là, là. Où es-tu, saloperie de venin scolopandreux? Attends, il y a une zone quoi pour le chapitre d'avant? Ou pour ce chapitre? Pour le chapitre d'avant, je crois que je l'ai fait. C'est la zone avec les PNJ, là. Oh, fuck. Ok, c'est pas ici. Et salut, Aldric. Comment vas-tu, Aldric? Aldric. 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 Je sais pas pourquoi, frère. Désolé. Ben c'est par là, mais ouais, mais je me suis gouré, je me suis gouré, je me suis gouré! Il est là? Ben, je le vois pas, ce fils de pute. Oh, le fils! Ah ouais? Ouais. 就只好砍了你的，与我作陪。Il va prendre mes bras. Oh, le jeu de lumière ici là, le contraste est assez violent. Le RT est pas aveugle. Franchement, cette transformation, il fait pas beaucoup de dégâts. J'ai vu qu'elle dure ultra longtemps. Oh, mais il y a des attaques de fou. Je peux boire, fils de pute? Allez, tiens, mange mes poils. Allez-y, mes clones, pète sa gueule. Regardez-le. Ah, c'est pas fini? Moi j'ai tout donné là. En fait, le combat est pas facile parce qu'en fait, entre la lumière et l'ombre, il y a un effet lumineux. Ok. J'ai l'impression de pas voir.
Oh le fils de pute. Ok, c'est bon. Faut que j'analyse ces mouvements là. Bon, ça, le samouraï là. Le Rodor Viper. Eh, il fait super mal, hein. Il fait grave mal, hein. Il a décidé de parler le... la force. Il a plus droit, il fait de la peine. Je trouve l'aiguille sur la montagne des nuages violets. Oh fuck, man. Oh, le secret lava. Ah oh, mais le 4, tu m'as même pas répondu. Quand ça va MD? Cœur d'arbre d'or. Goy. Le secret level. The secret level. C'est magnifique. L'automne comme ça là. Et on a dit Steam été. Bande de connards avec vos frelons, vos mouches et vos moustiques. Mourez bien. Team automne les potes. Hein. Regardez-moi ça. Ça c'est l'automne qu'on aime. Les feuilles qui tombent. Les insectes qui commencent à mourir petit à petit. Plus de frelons, plus de mouches qui viennent nous faire chier. Montagne du nuage violet. Mais attends, mais c'est une longue tresse? Qu'est-ce que c'est? On avait raté quand même une zone secrète. Attends, c'est ce serpent qui parle? Attends, mais on est dans Black Mix ou quoi, ou dans le livre de la jungle? Là, je comprends plus. C'est le mec, pète un câble. Oui, bon. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Serpent? Qu'est-ce que vous avez? Je vous pardonne. Ouais. Ouais, mais d'ici l'hiver, ils vont tous mourir, c'est parce que c'est l'automne là. Ouais, mais d'ici l'hiver, ils vont tous mourir, c'est parce que c'est l'automne là.
他的刀马毒甚是厉害，眼下我一点成色也没了。你也要去后头的山里，那林间俱是些放毒的妖魔，切记多备些解毒的草药。 Saloperie de Yaoguai. Et voilà d'ailleurs, en automne, c'est là qu'il faut poser des pièges à Frelon, les copains. Parce que comme ça, quand vous allez, quand la reine Frelon, elle va vouloir trouver un abri pour passer l'hiver au calme, hein, tu sais, pour pondre et que la petite portée l'hiver au calme, voilà. Oh, piégé ! Ça sert à rien l'été. L'été, les Frelons, ils sont 50 millions. Vous mettez ça, hop, vous piégez une portée en moins. Ça dégage. Saloperie de bestiole. On parle pas assez des frelons. Putain, même ici, l'hôtel, il ressemble à un truc dégueulasse d'araignard. L'été fait trop chaud, des fois il fait 8000 degrés. Tu sors, tu transpires. Frérot, tu sors un truc à décongeler, il y a des mouches. Des guêpes, par contre il y a des abeilles. Les abeilles et les bourdons, moi j'aime bien. Je les regarde butiner mes petites fleurs. Ils sont trop mignons, surtout les bourdons. On dirait qu'ils ont un petit manteau sur eux. Et ça c'est plus le printemps. Mais le printemps, l'été, oh. Oh. Ok, il y a quoi là? Encore rien. Ça se fight ça? Franchement, ce bâton, il est incroyable. Il fait vraiment pas mal de dégâts, je le sens de fou là. Vous aussi, vous le sentez? Oh, quel est le sombre fils de pute. Il est là-bas, ce forceur, hein. Oh, waouh, 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 il m'a enlevé mid HP. Alors fais gaffe dans cette zone, si tu vas trop vite, tu vas manquer des trucs. Ok. Ok. Alors attends, est-ce que j'ai un truc anti-poison là? Voilà, j'ai 9 gourdes anti-poison. Et ben on va. Attendez d'ailleurs, j'ai... mana max. Récupération d'endurance, résistance aux 4 fléaux, dégâts de coups critiques. Mais qu'est-ce qu'ils appellent percer à jour?
Ça, c'est pété, ça, en vrai. Ils peuvent utiliser cet arc de feu, ils peuvent immobiliser l'ennemi et tout. C'est insane. Je me tâte presque à monter la force des doubles. Même si je préférerais mettre mes points là pour aller là après. Ah. Ah. Genre j'aurais bien viré mes deux points ici là en fait. Je pense un jour hors live je vais screener chaque truc que j'ai mis et je vais enlever ceux que j'aime pas en fait. J'ai pas forcément envie que ça me coûte plus de mana ce spell par contre. Par contre il m'a cassé la gueule hein. Casser la joue et regarde briser la garde. Oh. Ils sont déstabilisés là. Attends, pardon. Attends, pardon. Oh Groot là, tu vas te calmer. Lui donne pas mal de volonté hein. Mais il a l'âme bleue, c'est pour ça. Oh. Il a l'âme bleue, c'est pour ça qu'il fait si mal. Non mais il m'enlève un tiers de mes HP en un spell là. Parce qu'il avait l'âme bleue. Ceci explique cela. Serpent herboriste. Attends, mais lui, il a tout un chemin par ici, je ne comprends pas. Attendez, on va aller sur le toit, parce que là où il y avait le toit, ça avait l'air d'être... Attends, mais oh, il y a mille chemins là-haut. Je cherche... Oh, comment... Oh. ça m'énerve. J'ai entendu. C'est-à-dire que le vrai chemin, il est par là. Oh fuck man. Là, y'a quoi? Un coffre. Ok. Ok. Je ramasse ce qu'il y a dans ce coffre. Un bibelot. Oh le corbeau! C'est pas celui qui va avec ça là? Au soleil d'or. Augmente légèrement le bonus de dégâts. Ses effets accrus lorsque et en étant équipé du lapin de lune de jade. Ah mais je suis obligé de pas... Putain. Si je mets ça à plus... Donc là, mon bonus de dégâts est accru. Et ma réduction de dégâts est accrue.
Ok. On va aller par là. J'avoue qu'une petite map, ça ferait du bien. Ah, qui le dis-tu? Attends, je peux monter là? Et là, c'est où, là? Attends, C'est pas là que j'ai ouvert mon coffre? Ah, mais je suis un trou de balle. Oh non. Double balle trou. Remonte par pitié. Remonte. Ok, c'est bon. On va à gauche. À gauche, ça tombe. Ok, bon, ça tourne en rond. C'est bon. Il n'y a rien de plus ici. Là, il y a un truc. J'ai vu un truc là-bas. Mais il y a un chemin là-bas. Là, je le vois, là. Avec sa maison arbre. C'est ça que je voulais faire, c'était ça. Là, le... La volonté, j'aime bien eux. Attends, là, c'est où? Me dit pas que là, ça mène. Là où il y a les deux. Là où il y a les deux trous de balles. Encore un bibelot! Augmente légèrement l'expérience obtenue en éliminant des ennemis, mais non, ça ça c'est fort, ça. Quand tu es dans une phase d'XP. Ah non, légèrement, ça m'intéresse pas, légèrement. Ça aurait été énormément, j'aurais pris. Ah ouais, bah regardez les deux trous de balles. Ils sont là, les deux trous de balles. On va les bazailler. C'est mon clown qui les a tués. Mon clown qui les a tués. T'as l'impression que tout droit c'est le vrai chemin. D'accord. On va aller à droite. Caverne de toile. Secret. Et on est d'accord, y'a pas de secret ici là. C'était la zone avec tous les PNJ hein. Hein. Je vois un pont déjà là-bas, ça m'énerve. Ah, peut-être qu'en traversant là, il y a peut-être un chemin qui mène à droite. Et après, paf, il y a un pont. Ouais, peut-être que je peux grimper. Voilà. Je vise sur le bon. On visitera après, là. On va aller en bas. On peut monter, ok. Même si le jeu il fait genre, des fois t'as pas le droit de grimper, mur invisible et tout. Oh, le trou de balle à lui là. Oh, le vilain pas beau là.
Une cascade. Je branle là. Oh, je l'avais pas vu, lui. Vous l'aviez vu, vous ? Face de paix ? Juste le coffre. Ok, donc lui il a pas l'air obligatoire. J'allais dire quoi ? Ah non mais attendez, c'est terrible ! On va récupérer, on va se mettre à fond. Je vais juste voir où on mène ici. J'arrive vraiment pas à me repérer, c'est terrible. Hein. Là, il y a une âme. L'âme de l'arbre. Ça s'enfuit, c'est grave drôle. Ok. Un nouvel esprit et un nouveau truc pour la gourde. Ok. Ok. On piche. Ok, bon là c'est là tout là c'est torché hein, torchaille. Là-bas c'est le roi scorpion. Attends, mais je suis passé par là non? Sauf que je suis allé à gauche. Ok, là je suis revenu sur mes pas.
Très bien, c'est noté. Là, ça monte. Ok. Ah, et là, il y a le pont. Avec lui dessus. Et je reviens dans tous les cas ici. Ok. Bon, je vais régène et on va essayer de l'affronter. Ouais, ça date, hein, les Naruto Storm avec Shiraku et tout, hein. Alors, ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est good, c'est gully good. Bon, le scorpion ivre là. Il est dur alors ? Très dur, boss très dur. Ah ouais ? Très dur, lui. On va voir. Ah ! Ah oui, mais il a un protège-couille. 定要与我为难，死寻死路。Wow, wow, wow! Pas besoin de s'énerver comme ça, mon pote. Attends, mais il fait de la capoeira. Oh, il est pas facile, hein. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Bro, let's go!
putain, ils bombardaient de partout, mais ça va, le pattern était lisible. Non, j'ai un bâton qui tape vraiment fort aussi. On va pas mytho. On va pas mytho. Coupe la voix du tube pour le first try, mais pour le coup, heureusement que j'ai pas coupé. Le bâton il tape vraiment fort. Mais vraiment la transformation de longue est pas mal. Et en fait avec le bâton, vous avez vu, dès que j'avais 3 points de concentration et que je faisais mon schlass Y là, quand je suis monté sur le bâton, enfin, j'invoquais, là je fais des guillemets avec mes doigts, j'invoquais un long là et ça lui mettait l'électricité. Il était en état de choc et ça lui mettait v'là les dégâts en fait. Vraiment cette posture là, j'utilise jamais. Voilà, franchement, je me ferais rembourser mes points, je pense. Créer une armure. C'est vrai que je peux faire une nouvelle armure maintenant. Attends, c'est quoi ça? L'armure de dard venimeux d'insectes. On fait une quantité considérable de concentration en prenant un remède. Augmente modérément la durée de tous les effets des remèdes. Attends, mais il y a toute une... Ah putain, mais ça va avec le reste de ça, là? On avait les gants, mais on n'avait pas le... Ok. Oh, on peut faire la tenue, là! Réduit fortement les dégâts subis en continu de l'état poison. Mais bon, en ce moment, il n'y a que ça. Alors attends. 2 fils d'or, enfin 2, 4, 5, 6. Je peux tout faire normalement. On va commencer par la tête. Ça va augmenter notre défense. En plus, on aura un chapeau qui déchire. Vous voyez, je veux équiper. On va regarder 3 de défense là. Ok. Je confirme l'équipement. Oh ah, j'ai peut-être de quoi vendre en boutique. Ah, j'ai quoi vendre en boutique, ouais, c'est bon ça. Oh, l'armure, vous savez que j'avais complètement oublié l'armure, hein, je vous le dis, hein, j'avais complètement dans la part. Hein. Oh là 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 là, mais regardez-moi les détails sur la tenue. Les petites vagues là. Non, franchement, il y a énormément de détails sur les tenues, c'est incroyable. On va récupérer. On va continuer tout droit. Oh non, mais le flow! Oh le flow, j'adore ce chapeau. Par pitié, faites que ce chapeau ne soit jamais trop vieux. Eux, ils font une espèce de petit coup là, vite fait, ça fait pas de dégâts, mais putain, ça interrompt mon combo, ça m'énerve. En termes de level comparé à Elden Ring, t'en penses quoi? Franchement, c'est pareil, c'est juste que c'est des gameplays qui sont totalement différents. Mais le niveau de difficulté est à peu près identique à Elden Ring. Oh là, bonsoir monsieur. Ou madame. Ah monsieur. Alors, tu veux qu'on se batte? Ah non, c'est bon, je veux pas qu'on se batte.一副痨病鬼模样，莫不是也中了虫毒？这谷内生有一种异虫，名禽狼，生食其卵可功力大增。只是那幼虫一旦孵化，便将五脏六腑啃食殆尽，空留一具不死的躯壳。我这些师兄师弟，个个都不信邪。 贪功冒进，见着便吃，如今多半药事无一了。小居士，你若有心，便带我了结他们。同门一场，
我下不去手。Oh, ça me rappelle le truc de d'Immortel là. Mais c'était un animé japonais. Bon, en fait, c'est un mec, il est au bord de la mort et il y a une sorcière qui lui met un verre dans le corps. Et genre, on lui coupe un bras, bah, il y a le verre qui rattache le bras et tout. Je sais pas si vous voyez l'animé que je veux dire. Et même Netflix, ils en ont fait une adaptation live aussi. Et il protège une gamine au péril de sa vie et il rencontre d'autres immortels et tout comme lui. Enfin, lui, il est immortel, il a des cicatrices partout et tout. Et il y a une espèce de verre, un verre de soie ou je sais pas quoi là qui l'empêche de mourir en fait. Et c'est une malédiction. Ça me rappelle un peu ça dans ce qu'il me raconte. Lui, il me fait manquer le platine, j'ai la haine. Parce que, en fait, tu peux finir le niveau sans finir sa quête, et si tu finis pas sa quête, bah il te manque un trophée, c'est ça? Oh, c'est ça? Ouais, oh non, ça c'est trop chiant. Oh putain, c'est-à-dire faut que je fasse triplement gaffe alors. C'est pas un mec qui doit tuer des monstres et il récupère son corps. Non, c'est vraiment genre un samouraï, tu vois. En fait, il veut juste un truc, lui veut juste un truc, c'est mourir en fait. Sauf qu'il ne peut pas. Bien entendu, je sais pas. Je suppose que tu ne sais pas quand tu as tué tout le monde, quoi. Et il y a un groupe de samouraïs qui vont mettre la main sur la gamine. Et genre, ils sont ultra balèzes, limite monstrueux, quoi. Ah, le perso, il a un flow ultra positif, ouais. Attends, j'ai fait tout ça pour avoir 540 de volonté. Super. Regardez le ray tracing qui nous permet de voir des beaux reflets et de voir sous l'eau de manière ultra limpide. Vous voyez ? C'est pour ça que je tourne à 80 FPS. Et parce que je stream sur mon GPU en même temps que je record sur YouTube avec mon GPU. Vous vous rendez compte? Ma carte graphique est record en 1440p, je stream en 1080p dans la résolution la plus maximum possible. Et je stream. Ah, c'est beau ça. Et je joue, pardon. Quoi, comme GPU une 4080. Et plus on va avancer dans les générations, plus les GPU vont être ultra efficaces pour le multitâche comme ça. Est-ce que le scorpion il faisait partie des disciples de Bilout là? Ou alors c'est que des boss peut-être. Une 4080 super. En fait, moi quand j'achète des GPU, j'achète toujours les refresh. J'achète pas à leur sortie. Bah, regardez la 4080 quoi. Elle était bien, mais beaucoup trop chère. La 4080 super, même GPU avec, allez, 5% de diff sur certains jeux, et beaucoup moins cher. Voilà. Oh non, encore des araignées. Ah ! Fuck man! C'est les mecs en jaune. Ah ouais là, ceux que je suis en train de buter. Ok. Oh bonsoir. Oh
Allez, donnez-moi vos verres là. Ils veulent pas me donner leur verre, attendez. Le téléphone qui sonne. Je pensais que vous aviez entendu, mais vous avez pas entendu. Alors, on était où, saloperie, putain. Je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Vous avez vu? Oh, j'ai invoqué le dragon. En plus, dans une heure, il y a le Dokkan. Now, now. Mais attends, mais c'est trop pété celui là. Alors. En fait, je comprends pas ce que je dois faire avec eux là. Ils sont mignons, mais c'est des petits bretons, hein. Il y a encore des toiles d'araignée, quoi. La conf Nintendo ? C'est demain ? Ah non, flemme de fou. 40 minutes de jeu indé. Déjà, quand c'est pas des jeux indés, j'ai la flemme de fou. Après, je dis ça, Black Myth Wukong est un jeu indé. Si on visionnarise par là. Mais bon, des jeux indés Nintendo, voilà, on sait à quoi ça ressemble, quoi. C'est à 16h. À 16h demain. Ou à 16h aujourd'hui. Il y a même deux confs Nintendo. Mais j'ai déjà vu, ils parleront pas de la Switch 2, donc... Je sais pas... Nintendo et moi, c'est le rush kit, tu vois, c'est... Ça, c'est un faux, ça. Je sais pas pourquoi je le sens, il n'y a pas d'ennemis ici. Et comme par hasard, il y a une fleur. Tap you. Aujourd'hui? Fuck! Non, non, moi j'ai le Dokkan Now à 16h30. J'ai préféré regarder le Dokkan Now. Le problème c'est que la conf Nintendo sera pas finie, que le Dokkan Now il commencera. Bon, je vais ramasser, mais j'ai l'impression que lui c'est un fake. Hein. Ah non. Mauvaise langue. Langue de serpent, langue fourchue. Là ça va être jeu que jeu indé cette conf Nintendo là. Là comme ça va donner un ordre de date aux gens qui regardent les VOD sur YouTube. Ils vont attends, on est le combien? Le 27? Oh la vidéo elle est sortie 8 jours après. Putain de merde, fufu, tu trolls. Bon, j'espère qu'ils vont nous donner 100 Dragonstone là, Dokkan Battle. Ça pue le boss là. C'est dégueulasse.
voile du crépuscule. Oh là. Et c'est mardi mon kiki. Oh non! C'est pas fini? Oh merde! Je me disais merde que c'était un peu... voilà. C'est un autre homme là. C'est le bruit d'un coq. T'as le petit fléau devant là. Et comment ça je rate tout avec ses... Eh, faut bosser les jambes à la salle hein. Thank you.
Oh oh! Envole-toi, petit poulet! Ouais, c'est pas grave, Aldric, je vise pas le 100%. Oh, c'est la femme serpent? Vous faites peur, madame. Elle, c'est pas un sac sur la tête, faut lui mettre un sac sur le corps. Très bonne question. Acier, or ou fer, mon artefact n'est pas de cette matière, mais uniquement issu des yeux de mon fils, ma chère. Acier de Kun. Corne du voile du crépuscule. Cœur d'arbre d'or. Noyau mental. Sang de coq. Double crête. Os. J'ai fait un TP, un flash out. Eh ben c'est bien les potes, c'est bien, on a bien fait de revenir. Alors, je peux faire une nouvelle infusion. L'utilisation de l'agro permet de supprimer l'état poison et augmente modérément l'état de déplacement et les chances de coups critiques. Allez, on va aller là. On va aller voir si les PNJ ils ont des petits trucs à nous. Voilà. Salut copain. Jin Dan zhi dao, lian ji wei xian, duo tian di zhi xiu qi, cai zhi ye zhi hua jing. Il me fait rire lui, j'aime bien.
内敛承担，外敛惩罚。天地万物皆炉鼎，唯有上品得我心。Et voilà, c'est beau. Est-ce que je n'augmenterai pas un peu ma mana? Voilà, un tout petit peu. Un petit chouïa. Voilà, plus 10 de mana. Voilà. On essaie d'équilibrer la jauge. Est-ce que je peux faire un truc avec toi? Je peux acheter un truc, j'achète. Je peux améliorer des boissons. Vin de coco, 30 ans d'âge. Oh là là, la jarre, elle commence à être jarresque. Augmente le nombre d'emplacements de vos additifs, permet de récupérer plus de... Non mais cette gourde va devenir... insane. Parce que là j'ai 36% de santé et un peu de mana. Là j'ai presque... J'ai moitié barre de vie. Donc je me soignerai moins. Et vas-y nique la mana. Il est où le truc d'abeille? Oh merci Keno pour les 10 abonnements, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Dazzy, pour Darmania, pour Tizik, pour notre guy, pour Monsieur Gamer, pour Sabrina, pour Riyad Fury, pour Solara, pour Dream of Lucifer et Père Godwin. L'arme de la tortue, je suis pas fan. Merci beaucoup. Bah, j'espère que tu vas bien. Alors ça, et deuxième additif. Je sais pas quoi prendre. Bah, je vais remettre ce que j'avais. Ok, ça c'est cool. On va récolter les fruits, les plantes. Est-ce qu'on essaie de se courave contre lui là? Salut d'un général, pas de soucis, ça fait plaisir. Ça va? Tout va bien? Oh putain, attendez, on va se concentrer, on va défier le tigrou là. Il est vraiment ultra stylé hein.
Attends, mais plus on le tape, sa lame, plus elle, elle devient balèze. Attends, comment ça, elle est à moi à présent? J'ai une nouvelle arme, c'est une épée? Salut Alka, comment vas-tu? Un vent noir se lève, la danse du destin commence, chaque pas en arrière est suivi d'une nouvelle avance. Transformez-vous en tigre Yin et repoussez les coups en tenant l'épée horizontalement ou foncez en avant, telle une bourrasque pour vous rapprocher de vos adversaires. La concentration accumulée avant transformation peut être utilisée ultérieurement. Ok, je peux me transformer en lui. C'est équipé de plus de bibelots, comment ça? Genre je pourrais avoir 3 bibelots? Tu peux me faire ça mon frère? Après des déviations réussies de suite comme un roc, augmente fortement la concentration obtenue par juste à temps. Ah, c'est comment son temps de récupération. Ok, une nouvelle armure. Attends, je peux le redéfier encore? Attends, je pense qu'on peut le défier combien de fois? J'ai un troisième slot de bibelot. Putain! Après l'activation, se concentre sur l'ennemi et l'attaque sans relâche. Très efficace contre certains ennemis. Augmente légèrement les chances de coup critique. Hein. Ça, c'est pas mal parce que ça réduit les dégâts. Mais ça, là! Oh, faut voir à quel niveau. Augmente fortement la vitesse d'utilisation de la gourde. Putain, c'est pas mal ça. Salut Ryu, yole Broly. Attends, je suis occupé à manquer des pâtes au thon mayo. Putain, j'ai jamais mangé de pâtes thon mayo. Attends, si je le redéfie. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que je suis full vie, full mana au moins?
手段。 Ok. Ici riz, bœuf haché à l'origan, sauce blanche, chacun son truc. Oh ouais. Ok, je peux juste le redéfier, mais voilà. Putain, je peux porter 3 bibelots, ça c'est insane les potes, c'est vraiment insane. Attends, mais ça va super vite son truc, le temps d'un combat, et ça y est. Et ça y est. On va tester la petite aiguille. Merci le doy pour l'abonnement. Ou le doy. Le doy. Je veux me préserver de Wukong, je n'ai pas encore débuté. Bon jeu. A plus Ryu. Bon, là ça va, j'étais dans une zone pas du tout dans l'histoire. Là par contre je vais aller dans l'histoire, donc attention spoil. On va faire un tout petit peu avant le Dokkan Now, et après le Dokkan Now je déconnecterai, je ferai un petit stream, et on continuera un peu plus demain, un peu plus fort. Là on va faire un petit peu de la nouvelle zone, histoire de... Je suis encore dans la pagode. Après la pagode, il y a encore un truc fort loin. Je suis au chapitre 5 là. Là c'est le chapitre 5 là. J'ai torché le chapitre 4. Attendez, on va essayer ça. Je sais pas, il est le bon truc, il est parti tabasser un man. Hop, la volonté. Tu l'as poncé le jeu, ça va, ça va. Je streamerai le soir aussi, je pense que j'aurais déjà fini et on serait sur Star Wars. Oh là! Oh là! Que se passe-t-il ici? Il y a des Minotaurs qui se battent. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants là? Il m'attaque lui? Les cochons, c'est mes amis. C'est un boss! Allez-y, mais pas mes monkeys! Tu veux lui parler? Je vais lui parler. Je vais lui parler. Ok, donc juste c'est mon pote. 啊, ouais, les Far Cryisés Star Wars.
还好未伤你性命。OK, 这是我pote。饶你，饶你！你的事我早有耳闻，你要寻的东西，老大王定然知道。OK。如今山里生了妖孽，上山的关隘已被几辆棺材车拦住，冒着邪火烧老子。我想你有些溜撒，寻个法儿。棺材车又叫五行船，是大王的孩儿炼化出来的异物，厉害。C'est bon, je vais faire exprès de te taper, frère.那车，怕不只是我觉得其中。眼下老子还得守住山门。OK。Alors. On ramasse ça. Des petits bonus. Ça régale. Là, il faudrait que je prenne ma cape. Oh non, comme par hasard. Je prends ma cape qui me rend insensible complètement au feu. Je pense que ce serait pas déconnant sur cette map. Il y a du feu partout. Bon, je suis un peu déçu de ça. Normalement, ça c'est banger. Et vous voyez, augmente la résistance au feu et confère une immunité contre les dégâts de feu de la lave recouvrant le sol. Donc, je pense qu'il va y avoir de la lave qui recouvre le sol et ça va m'aider de... ça va m'aider fort.
Ouais, ouais, je vais avoir besoin de... La cape, elle va bien m'être utile. Hein. Oh, lui, il est gros, lui. C'est bon, je peux être tranquille. J'ouvre mon coffre. Hop, qu'est-ce que c'est? Ouais, la cape de feu là. Miam miam. Comme disent les Mogwai. Part en couille et tout. Ah mais j'ai 3 points. C'est les copains. Nouveau bibelot obtenu. Ah ouais. Augmente légèrement l'attaque. Allez, je vais mettre ça et si je vois que je commence à me faire casser la gueule, je remets mon truc de défense. Ne peut être réveillé. Non, il faut que je mette un point là et pour avoir ça. Fuck man. Fuck. J'ai parti en mode Ace Ventura à la fin. Ouais. Putain ouais. Oh non, faut vraiment qu'il y ait une chauve-souris là. Et les archers ils rendent fous. Hein. Vraiment ils cassent les couilles. Semence du mont Ling Tai. On ira visiter par là après. Hein. On va aller à droite comme d'habitude. Donc c'est la quête principale par là, non?
Donc peut-être pas forcément, c'est parce qu'il y a peut-être un combat de boss. D'annoncer Garlic Junior sur DB Legend. Incroyable! L'unité que le monde attendait. Ça peut être pas mal. Ah, ça fait une belle map là. J'en ai marre d'avoir des bons soupçons. Allez, on va te passer le pion. Ok. Imagine, ça annonce un pilaf sur Dokkan. Y'a déjà eu un pilaf LR. Et qui est pas mal en plus en cherchant de boules de cristal. Mais j'ai pas vu là, j'ai une âme à récupérer. Ok. Père des pierres. Il fait quoi lui? Il a l'air pas mal. Adopter la forme du... Oh, il est vraiment une sale tête hein. Augmente légèrement les chances de coups critiques et les dégâts critiques. Convaincu zéro hein.
toute façon, on va se balader vite fait et puis après, on va retourner au TP. Because ça va pas tarder à commencer. On récupère pas mal de volonté là. Et ça c'est beau. Ok, c'est lui qui m'avait fait chier. Ah. On va s'en toucher au moins deux en même temps. Ok, on leur récupère le fruit. Là, c'est clear, en vrai. C'est clear de fou, ce coin-là. Là, j'ai pris le coffre, c'est clear aussi. Bon, non, ça on fera ça après. À l'aide, ça, ça ressemble à de l'histoire, ça. Ah, à chaque fois que je vais, je prends mon chemin à droite. C'est toujours pour l'histoire, j'ai l'impression. En vrai, je pense qu'on... Je pense qu'on va arrêter Wukong ici, parce que le live il va pas tarder à commencer. Ah, y'a quoi là? Oh, le coup de critique qui a fait plaisir. Par contre, la gourde, cette gourde là, elle me rend tellement d'HP. Il y a eu un live sur Legend aussi. Il y a eu aussi beaucoup de tag Piccolo dans Legend. Ça ressemble comme le LR qu'on a eu là. Ok, du fil d'or fin. Pour améliorer les armures, c'est peut-être pas mal.
ça c'est fait. Attends, mais j'aurais dû TP en fait. Je pensais que j'avais un chemin, un choix de chemin beaucoup plus tôt que ça. Oui, à 16h. Ok. Ah, c'était là. Il y a déjà des gens qui jouent à Space Marine. Ah ouais, ils ont eu des clés en avance. Ou une démo peut-être. Ah mais non, mais c'est de là qu'on vient. Bon, le jeu final. Il y a déjà eu des clés là. Ou alors il y a un collector avec un accès anticipé d'une semaine, ça se trouve, connaissant les jeux de maintenant, pour que les gens précommandent, ils leur donnent des accès 4 jours avant et ça marche. Bah en vrai on a déjà un peu tout visité, au pire on verra une fois que on reclinera la map de A à Z. Je ne l'aurai pas avant le 5. Ah, il sort quand? Je pensais qu'il sortait le 1er ou le 2. Ah non, il sort le 7. Ou le 9? Le 9? Ok. Ouais, nouveau mental, je suis obligé d'acheter, hein. Au mental, je suis obligé d'acheter, c'est trop utile. Le 9 officiellement, ok. Je vais faire un petit pipou. Et puis après, bon, on va regarder le live sur Dokkan Battle. Salut mon Fennec. Putain, mais il ramène des trucs assez vite en vrai. Genre, je pense limite toutes les demi-heures, je peux aller les voir au calme. Santé max plus 30. Miam miam. Et on va augmenter la mana, hein. On perd pas la main, hein. Oh, la petite jauge. Endurance max, va falloir que j'augmente aussi mon endurance max, hein. Ah, cette gourde va être meilleure. Elle est en or. Bon ben voilà.
9 utilisations. Gourde médicinale de Bouddha. Et elle est améliorable encore une fois ou pas? Non, elle est au niveau max. Bon bah voilà, j'ai amélioré la gourde au niveau max. On est bien. On va pouvoir aller tranquillement quitter et regarder le live sur Dokkan. Sur Dokkan Battle. Des bisous YouTube, la vote s'arrête ici.